Une petite sieste, hein, le temps qu'ils arrivent. Hein. Il y en a qui dort carrément. Ah bah ouais. Bon, sinon ça va les gars, la vie est pas trop dure. Ça va, la vie pas trop. Non, ça va, ça va. Hein. Eh les gars, on est où ici? FBI. On est dans le bureau des avocats, je crois. Attends, je FBI. Je regarde sur ma carte. C'est comme sur le parcelle de parcelle. Tu vois? Ah, de nouveau. S'il vous plaît, levez-vous tous. Voilà, je veux que les personnes membres du jury et les avocats viennent devant de petits passages. Qui c'est qui parle? C'est lui là, le tal du col. Que tous les autres, non, tous les autres, vous reculez, vous rentrez maintenant pour le moment, les autres. Je veux que les membres du jury et les avocats pour le moment. Attends, j'ai quoi sur ma bouteille d'eau? Chalumeau, joint, kit de repas, vin. Alors, Mathieu Milvac. Il est membre du jury. Des trucs bizarres et tout. De toute façon, ça. Oh putain! Ah non, c'est. C'est qui qui l'a. Ça réveille, hein. C'est qui l'a tasé là? Wouah, il se passe quoi là? Oh là là. Je voudrais que vous bougez vos véhicules, s'il vous plaît. Il faut. Je prends les escaliers, hein. Je suis sportif. Ok. Du coup, faites tous une file indienne sur la file du milieu, s'il vous plaît. Tous sur la file du milieu, un par un. Je veux. Là, les. Vous pouvez attendre après l'ascenseur, s'il vous plaît. Juste carte d'identité, s'il vous plaît. Et fouille obligatoire. Pas d'armes à feu. Pas moi. Vous avez pas vu l'annonce. Ouais, il débarque. Non, 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 c'est quoi ce bordel? Bah. Ouais, il y a eu une annonce. Il est mort, Scott? Comment ça, il est mort? Oh, moi je suis zigouillé. Quoi? Donc, est-ce qu'il est mort, Scott? Il est mort, Scott? Bah, je sais pas. Eh, vous avez pas vu les nouvelles? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a peu de gouvernement là? C'est à peu près ce qu'on est en train de dire. Il va falloir un nouvel. Un... Ah, je suis candidat à faire des élections. Un nouveau gouvernement? Des nouvelles élections? Mais on s'en bat les couilles de ça pour ça, à Scott. Est-ce que toutes les personnes. Toutes les personnes qui assistent au procès en tant que spectateurs m'entendent bien? Ouais, on t'entend. Ok. Je vais vous rappeler certaines règles. Vous évitez de marcher. Vous restez soit debout, soit assis devant vos sièges, mais vous n'allez pas aux alentours. Ensuite, s'il y en a qui foutent le bordel, s'il y en a qui foutent le bordel que j'entends crier ou quoi, je les escorterai moi-même en bas de la tour. Ah, Walter. D'accord? Vous nous escorterez. Ouais, je compte pas, mon gosse. C'est bon, ah, merci Mathieu. Voilà. Vous pouvez boire donc, et manger si nécessaire, mais évitez de faire trop de. T'es tout le temps. Ah, oh, mais c'est Monsieur Carver. Voilà, voilà. Ah, c'est Monsieur Carver, coup... le procès. Bref, permets-moi, je te coupe juste un son de comment. Je vous fouille rapidement le deuxième fouille. Encore? C'est déjà fait, ils ont été fouillés, ils ont déjà été fouillés. Ouais, mais ils ont fait une fouille aussi. Ils ont été fouillés, hein. On n'a pas été au courant. C'est moi qui l'ai fouillé, c'est moi qui l'ai fouillé. Du coup, bonjour messieurs, bienvenue. Pour vous présenter à tout le monde, vous êtes du coup le jury qui avait jugé de la décision, d'accord? Si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas, si vous avez besoin de vous concerter, n'hésitez pas aussi, d'accord? Voilà, je vous souhaite bon procès à vous. Merci. Monsieur Carver, monsieur Peterson et monsieur l'avocat, je vous souhaite aussi un bon procès. Merci. Ouais, non, on est pour la crêpe partie, surtout. Ah ouais, ça va sans doute. J'entends rien là, c'est quoi ce procès là? Voilà. Du coup, il encourt
une peine maximale de 650 000 dollars ainsi que 2 semaines de fédéral. Ah ouais, sure. Sure. Glendek. Donc, vous résumé, ma version. Non, que... rien, moi. Est-ce qu'on entend rien, Jerry? On va avoir. Quentin, avance ta gueule. Bah ouais, c'est quoi ce procès là? On entend rien, monsieur là. Pardon, je peux répéter s'il vous plaît. Depuis un moment, on n'entend pas. Tout ce que vous avez dit là, actuellement, c'est des faits à réel. Quentin, Quentin, avance-toi. Et vous pouvez pas vous taire derrière un petit peu? Merci. Par contre, je vais être clair, le premier qui il va sortir. Ah, ah enfin, on t'entend maintenant. Voilà, c'est la dernière fois. C'était du coup c'était hier soir que nous l'avons arrêté. Il était à bord d'un hélicoptère de type busard noir qui était piloté par un individu. Ils étaient 4 dedans lourdement armés au niveau de 100 défis. Suite à ça, ce même hélicoptère une heure avant a tué un de nos agents qui est mort par balle puis son hélicoptère s'est écrasé au niveau de la poire. Suite à ça, nous avons traqué et retrouvé dans la ville. Une fois retrouvé, j'ai pris mon sniper, je me suis posé sur une colline, j'ai ouvert le feu. Au final, 2 hommes à terre. Après, l'hélicoptère est parti, je suis remonté dans mon hélicoptère. Je les ai poursuivis, alors que leur hélicoptère était vraiment mal. Il fumait blanc, il y avait beaucoup de fumée qui sortait. Ils se sont reposés au même endroit 3 minutes après. Suite à ça, je me repose sur la colline avec mon hélicoptère. Je ressors mon sniper et j'en mets 4 à terre par la suite. Tout le monde a été neutralisé. Il y a 2 personnes du coup qui sont à ma gauche, Monsieur John Carver et Monsieur Jordan Peterson, qui ont survécu. Les 4 autres personnes. Les 2 autres sont décédés. Voilà ma version des faits. Non, 4. Et moi je dis, c'est pour la peine monsieur, de mort. Monsieur, taisez-vous. Oh, tais-toi, tais-toi, tu vas sortir rapidement. Il est impossible. on n'a pas vérifié, sans vous mentir. Mais Ah, comment pouvez-vous affirmer qu'il a tiré le feu alors? On n'entend rien. Parce que. Parce que on a eu des impacts de balles qui ont été touchés sur notre hélicoptère. Des agents comment présents ici affirmer que c'est bien cette l'affirmer. Personne si vous n'avez pas vérifié qu'il a tiré des balles avec ses propres armes. C'est peut-être quelqu'un on d'autre. Peut pas même avec les armes, nous ne pouvons pas affirmer que les individus avaient exactement le même type d'armes. Moi je dis ça vaut la peine de mort. Hein. On entend rien, monsieur. Un policier, rien. Il faut les tuer, hein. Hop, je me permets d'intervenir par rapport à ce qui... Les jurys. Juste après, monsieur. D'après l'article 1.i du code de la LSPD inclus dans le code pénal, il faut obligatoirement avoir un tir de soumission avant d'abattre ou de... Des soumissions, frère. De sommation, sommation, ce sommation, sommation. Yep. C'est pas, quoi là, ces avocats en mousse, wesh? De sommation, quand on respecte les avocats, s'il vous plaît. Hein. Monsieur, monsieur, pardon, je vais vous sortir du tribunal, suivez-moi. Hein, pour... Je vous ai entendu. Suivez-moi. Suite à notre agent qui est mort sous peu. Levez-vous. Ceci était normal que nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas eu besoin de faire de tir de soumission suite aux actes qu'ils ont fait auparavant. Très bien, le jury en délibérera. Allez, suivez-moi. Si je peux juste me permettre de dire quelque chose. Allez-y. Ouais, du coup vous dites que c'est un hélico qui a battu votre collègue, c'est ça? Et en sachant que vous ne saviez pas si je sortais de l'hélico, comment vous pouvez en déduire que c'est moi et vous tirer dessus directement? Vu que vous étiez en groupe et lourdement armé, un tir était normal.
Du coup, j'ai droit à une deuxième chance. Hein. J'en veux un. Je vous aime, mes citoyens, je vous aime. Et moi aussi, je t'aime. Il y en a un qui va être à la porte avec moi. Et le deuxième, 13, tu vas aller à la porte également avec moi. Tu es le procureur. Moi, je dis qu'il y a Anguille sous roche, hein, c'est louche, hein, il y a un complot là. Il y a Kalash sous drap. Mais oui, il y a un complot qui veut soulever le gouverneur, c'est pour ça. Mais ouais, il soulève l'autorité. Moi j'y crois pas que quelqu'un comme ça il puisse être capable d'avoir une arme. La police veut prendre le pouvoir. Oui. Ouais, c'est la justice qui. En plus, c'est la police qui rend la justice. Ça c'est bizarre. J'entends rien. C'est clair. Alors que la police, ils sont jamais là pour lui. Ouais, la police. Jamais là pour les citoyens, la police, jamais. Ouais, la séparation des pouvoirs, elle est où là? Par contre, pour mettre des amendes, ils sont là, vous inquiétez pas. Ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, Jordan. Ça collectionne les feux rouges. Je pourrais passer de l'autre côté pour avoir un meilleur angle de photo. Bon bah du coup, tu es l'avocat, si le code pénal il prévoit ça, c'est le maximum, non? J'ai pas entendu, excusez-moi. C'est le maximum prévu par le code pénal, donc c'est le maximum qu'il en compte. C'est ça, exactement, 24 heures de fédéral pour le port d'armes illégales. On est à 235... 235 500 euros de d'amende. Voilà. Il avait plusieurs armes sur lui. 4 de catégorie 1, ça fait 100 000. 2 de catégorie 2, ça fait 100 000 de plus, ça fait 200 000. Et une de catégorie 3, ça fait 150 000 de plus, ça fait 350 000 de plus. Au total. Ouais, mais du coup, si c'est 24 heures la peine encourue, ça va. C'est le plus grave qu'il peut avoir pour le port d'armes. Bah, c'est clair. Très bien, bah monsieur Peterson alors est jugé à. Si je peux intervenir, il y a un membre de l'organisation. 24 heures de fédé, 24 heures de fédé et 350 cas d'amende. C'est qu'ils ont. Merci. Je n'ai pas précisé, monsieur Carver, mais je pense que vous en doutez, vous êtes du coup destitué du poste de gouverneur de la ville. Arrêtez, je faisais ça si bien. Vexant, hein, quand même. Franchement, ouais, je suis déçu que ça. Mais je ferai avec, vous savez. Je ferai avec. Je m'arrangerai. J'irai faire des canettes de coca. Ou du paintball. Très bien. Je sais. Est-ce que vous avez autre chose? Non, c'est tout bon. Vous viendrez à une prochaine partie de paintball, monsieur Sandwich. C'est bon pour vous, monsieur Peterson? Et monsieur l'avocat? Oui. Ah, pour moi, tout. Très bien, alors on va vous laisser. Par contre, est-ce qu'on pourrait avoir. Des téléphones quand on sera en prison parce qu'on a plus de beeper, enfin vous voyez des beepers je veux dire. Oui. Que les prisonniers ont été escortés, ça peut être dangereux, on sait jamais s'ils vous sautent à la gorge. Oh, ils sont menottés, ils vont pas trop nous sauter à la gorge. Hein. Bah si, vous connaissez pas, dans certains films ils arrivent, ils mordent la jugulaire ou l'oreille, ce genre de truc bizarre. Eh vous savez pas, vous connaissez pas les gens psychologiquement, hein, c'est le genre de dinguerie qu'ils sont capables. Moi j'ai vu un truc, je suis fan de catch, je peux vous dire qu'avec des pieds on peut faire des choses malsaines. Eh Derek, ça a déjà commencé là. Commencé Derek, grouillez-vous. Enfin ils auraient pu prendre pire hein, donc. Enfin bref, attendez. Eh j'ai que 4 jours pour me taper full épisode de Derek là. Okay. Alors grouillez-vous. Y'a personne en bas. Bah attendez, je vais prendre l'ascenseur. Ah monsieur chapeau blanc. Pom 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 pom. Vous viendrez jouer aux échecs en prison, hein, messieurs les agents. Ça bavard, hein. Bah non. Vous viendrez au parloir, hein, monsieur l'avocat. Ouais, jouer aux échecs. Problème. Pas de problème. Avec grand plaisir. C'est des policiers qu'on pourrait rejouer ensemble, mais ils veulent pas trop, je crois. Ils aiment pas le paintball. Mademoiselle, monsieur, bonjour. On se fait un resto, mademoiselle, prochaine fois, non? Bien sûr, Carver, quand tu veux. J'ai les moyens, c'est pas toi la demoiselle, blondinette. J'ai les moyens de vous payer un resto, hein, sans problème. Il est parti où? Je suis là devant, ouais, il est là au conducteur. À gauche, il est là à gauche, ouais. Y a une des demoiselles qui veut un petit resto, là. Désolé, ce sont les règles, je respecte les règles.
Ah, je suis venu sur les meubles, gastronomique là. Oh là là, attends, je monte dans le camion tout seul là, tu galères. Oh, je suis où là? Ouais. Il est sur le côté l'autre. Ok, monte tout seul. Sandwich. Ah ouais. Il est dehors là. Gros, il est dehors là. Eh oui. Vous allez devoir monter par vous-même. Hein, retirer. Il faut un pilote là, hein, par contre. Semble que plus rien faire. Six problèmes. Ah mais là, je. Ça va être compliqué. Oh, vous m'avez bloqué. Hop. Vous m'avez attaché les pieds là. Il faut que tu. Ah non, il faut que tu. Voilà, c'est bon. Ah. Ouais. Ouais, il se passe un truc bizarre là. Ouais, repassez devant là, il y a eu un Satanas là. Voilà. Prenez. Mettez-vous sur la droite. Tout le monde sera bas. Ouais, Ganger de devant, vous bloquez. Repassez devant. Comme pour aller. Pareil. Ganger de derrière, vous passez devant. Voilà, nickel. On va derrière, vous repartez. Ouais, il y a un individu en moto derrière, 04, vous pouvez vérifier. S'il tourne à gauche, vous l'interceptez. Aussi... Non, mais interceptez-le et mettez notre côté. Un Ganger de derrière, vous passez devant, nickel. Ouais. Le véhicule derrière, c'est un mari ou quoi? Ok. Hop, véhicule de devant, vous ouvrez les portes, véhicule de derrière, vous fermez comme pour la ligne, nouveau. C'est exactement tout pareil. Prends sa plaque, c'est tout. D'accord, 10-4. Non, mais je parle pour celui qui vient de revenir là, c'était moi. Hein. Hop là. Véhicule derrière, pour ça bien fermer les grilles. Ouais, 10-4, t'as bien fait. Ganger de devant, vous bloquez la route de devant, et Ganger de derrière, vous bloquez la route de derrière. Moi j'aime bien marcher arrière comme pour la. Pour le poids. Hop. J'ai vu Novello. J'ai. Oh putain! Ouais, non. Vous avez roulé sur la demoiselle! C'est pas gentil ça! Tu fais quoi là? Fais gaffe! Non mais. Y a pas de question quoi que ce soit. On l'a déjà dit 100 fois que tant que le conducteur était pas descendu, le passage descend pas. Il me faut quelqu'un pour venir. Mais d'aller sortir. Allez sur le parking, laissez le temps. Tant qu'elle ne ferme pas. Bref, du coup, allez-y, je vous fais sortir un par un. Hop. Hop là. Voilà. Hop, menez-le. Ah, moi c'est la police à Romain 12 qui s'occupe de moi. Ah non, pas lui. Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à vous. 45, c'est la police. Ah, c'est gentil. Ah, c'est gentil, ça fait plaisir. Par contre, vous, ce sera pas la jolie policière en main. Ce sera moi. Je tiens un peu. Ah ouais, monsieur Sandwich, il aura le bonhomme. On est vraiment obligé de me noter alors que c'est à 2 mètres. Ouais, on va faire 100 mètres. Ne vous inquiétez pas, ça va être une petite balade. Oups là. Ouais, non, moi je dois aller avec la demoiselle. C'est pas gentil. Elle viendra vous les retirer, ne vous inquiétez pas. Ah, elle viendra me les retirer, ça fait plaisir. Il y a nos vélos, c'est nos vélos pour faire du sport. Ah, il y a nos vélos, ouais. Les gardiens de prison, ils nous ont laissé des vélos, vous avez vu? C'est cool. Ouais, hein. Pour faire du sport et tout. On peut te libérer, s'il vous plaît. Hop là. Ah, vous êtes très plaisante, mademoiselle l'agente. Super, bonne ambiance. Ah, merci. Hey, il fait quoi avec mon vélo? C'est bon? Ah, monsieur l'agent, vous pouvez monter mon vélo, s'il vous plaît. Hop, mais plutôt que je rappelle. Bon, vous étiez déjà en fait dans le. Je fais le rappel, mais.
si vous sortez d'ici, les snipers, les miradors, ils n'hésiteront pas à vous tirer dessus, donc... Ouais, vous inquiétez pas, après la chanson, nous, on est enfermés, hein. Vous inquiétez pas. Hein. C'est bon, je peux aller faire du vélo. On va faire ouais, du vélo. Ouais, bah embarquez-le, lui, il commence à me saouler, là, depuis quand il en agresse un garde. 4 jours de vélo. Bref, du coup, ouais, essayez pas de vous échapper, les miradors, ils n'hésiteront pas à vous tirer dessus. Je sors demain, moi. Bon séjour. Ah ouais, merci. À demain. À la prochaine, madame l'agente, pour le kebab. Nadia, dis à moi qu'il vient me chercher demain à 17h, s'il te plaît. Peut-être. Wesh. Wesh. On n'est pas en fédé, nous. Allez, elle est où la cantine? J'ai la dalle, sa mère. Ah, je sais pas, mais on s'est mis tellement bien. Ah, viens voir là. Hein, parce que on s'est bien marré, on a bien dit ce qu'on voulait. Mais gros, demain à 17h, quand tu sors, tu dis bien aux autres que dès que je sors, le sang va couler et l'argent va couler à flot aussi pour les citoyens qui nous ont soutenus. Hein. Par contre, le Mexicain qui nous a craché à la gueule, il va prendre son tarif. Et puis le commandant qui a tué Scott, je vais le bouffer. Je vais le couper en lambeaux, je vais le peler, je vais lui enlever la peau de la tête aux pieds. Peut-être que je le laisserai en vie pour qu'il souffre bien. Non, moi je propose qu'on le pèle juste au milieu du torse et qu'on lui dessine un bon gros S dessus. Ouais. De squat. Ouais. Bon, vas-y, sur ce, je vais aller me pioter moi, dans ma cellule. Ouais, moi aussi. 4 jours de vélo, putain de merde.